Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs ou téléspectatrices de Tout Savoir Télévision, merci beaucoup pour votre confiance dans cette chaîne en ligne internationale. Nous sommes la télévision Tout Savoir et nous diffusons nos émissions à partir des États-Unis d'Amérique. Je suis très heureux parce que nous avons des bons échos. Et puis les gens sont tentés de nous faire confiance parce que nous faisons un bon travail. Même vous qui allez nous suivre en direct, sachez que nous vous aimons et nous sommes en train de parler de la politique parce que la politique nous concerne tous. Nous sommes aujourd'hui, dimanche 26 mai 2019. Mon nom, c'est Marcel Bangali. C'est l'émission Tati, Top Actu, Top Info, Suite et Fin. Alors, je pense que vous apercevez à ma gauche, monsieur Jean-Claude Kitété, écrivain congolais ici aux États-Unis d'Amérique et analyste politique. Avec lui, nous allons traiter l'info aujourd'hui parce que c'est ça qui nous amène et nous allons terminer les sujets que nous avions commencé hier déjà. À la réalisation, nous avons Jean-Francis Mongoulou, qui est notre réalisateur, superviseur de Tout Savoir Télévision, maestro. C'est lui qui nous réalise cet après-midi. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir, je tiens personnellement à remercier toutes les familles qui nous invitent à filmer leur mariage, à filmer leur anniversaire, à filmer tous les événements possibles qu'ils organisent. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants parce que vous nous faites confiance, la qualité du travail que nous donnons, ainsi que le professionnalisme que nous sommes en train de montrer, c'est ça qui prouve à suffisance que nous sommes une grande équipe de reportage ici aux États-Unis d'Amérique. Merci à vous tous qui allez suivre cette émission. Et nous espérons que vous allez aimer parce que nous, c'est le travail d'abord et puis nous, c'est la qualité. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à mon invité de cet après-midi. Je pense que hier, vous l'avez vu, vous lui avez posé pas mal de questions. Les gens ont quand même réagi parce qu'hier nous avions déjà débuté et nous allons terminer ce soir, M. Jean-Claude. Oui, tout à fait. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé et qui m'ont donné leur encouragement, qui ont suivi l'émission et qui sont édifiés de tout ce dont nous avons parlé au cours de l'émission d'hier. Voilà. Alors, sans plus tarder, chers amis, comme vous le savez, le principe est simple. Si les déclarations que M. Jean-Claude Kitété ne vous plaisent pas, en tout cas, n'insultez pas, chers amis, donnez-nous peut-être votre point de vue. C'est-à-dire, donnez-nous une solution si vous en avez une. Alors, nos invités vont faire des analyses. Nous sommes en train de faire des analyses sur des situations ou la situation politique en République démocratique du Congo. Si vous êtes de la famille présidentielle, si vous êtes nièce, neveu, fanatique d'un homme politique, si vous êtes accro, ou soit si vous êtes, comment je peux dire, si vous êtes addicté à un homme politique ou à sa famille, je vous demanderai tout simplement de nous écouter d'abord. Vous écoutez et puis vous jugez. Si nos analyses, ou soit l'analyse de notre invité n'est pas correcte, venez corriger. Mais si vous estimez au fond de votre cœur et dans votre conscience que l'invité, les choses qu'il est en train de dire sont des vérités et son verdict, c'est à vous de changer votre façon de voir la politique en République démocratique du Congo. Nous, nous sommes ici, ce n'est pas pour plaire aux hommes politiques. Nous sommes en train de réfléchir parce que nous sommes des élites. Et M. Jean-Claude, c'est un écrivain, c'est une élite congolaise. Bon,
Je sais que moko beba nango et comment ceux qui battent bazo kolo bamagamba politique ba msusu ba lingarate ba touché ta msusu mu kondinaye soko za muta Martin Fayulu tokolo belawa parce qu'avant Martin Fayulu a kende place a komi wana azala ayebi bien que politique ba fingaka politique ba betaka mabanga soko zo kosala bien te politique ba lobaka tout soko za mutu ya Natanga sous politicienne. Je ne sais pas, UDPS ou bien MNC ou. Sorozali, Ndeko ya Jean-Pierre Bemba, na 4 émissions Oyo, biso etali biso te. Biso toko lobana Jean-Pierre Bemba, sorozo salama B, toko yebisaye, voilà ba point Oyo yo, il fallait pas au salaboye. Tara politique, tara nenge tamula, na ba pays moussous, sorozali, na ba pays moussous, attaque homme politique, regardez comment ça se passe. Le pays n'est pas seulement le Congo. Le Congo n'est pas le seul pays au monde. Il y a beaucoup, il y a 158 pays au monde et 150 politiques différentes. Donc, supporter qu'on dise des choses, parce que nous ne regardons pas seulement le Congo, nous regardons des normes internationales. Nous regardons aussi qu'est-ce qui se passe sous d'autres cieux. Alors, ce qui est bagaté, que politique, il y a Congo, il y a président Félix Tende, capable ya ko changer ma kamutute. Il faut ngai yo to sungaye. Ya ngoto to sala ka mission. Alors, habituez-vous à supporter qu'on puisse faire des analyses. Ne nous empêchez pas d'analyser. Tozo ko analyser pour na ko trouver ma solution là où ça ne va pas. Vous avez des solutions aujourd'hui pour des problèmes que nous allons évoquer aujourd'hui? Ouais, peut-être les solutions envisageables pourront venir à la fin, mais pour le moment, je suis à votre disposition pour les questions que vous avez réservées. Alors, il y a un prophète de Dieu qui nous regarde actuellement, le prophète Jean-Marie. Je salue le prophète Jean-Marie avec sa femme Prisca Djemba et leurs enfants, Rema et la maman de Jean-Marie qui est donc sa fille. Je vous salue et vous regarde. Bonjour prophète Jean-Marie, je le connais personnellement et c'est un homme de Dieu assez respectable. Toutes mes salutations là où vous êtes avec toute la famille. Voilà, alors au sommaire de cette émission Tati, nous avons réussi pour vous, monsieur Jean-Claude Kitete, je crois que vous êtes en train de le voir, il est là. Alors, au sommaire de cette émission, déclaration de Nanga Corneille, le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Bientôt la CENI va prendre fin, sa mission prend fin au mois de juin. Alors Nanga est sorti de sa torpe pour parler et il a fait des déclarations. Vous allez suivre ça. Je vais demander à Jean-Francis de vous balancer, vous qui êtes à la maison. Mais vous qui nous suivez, Dan Baboaki. Dan P. Bonjour, monsieur. Dan Palobi, bon après-midi, Dan. Et bon après-midi, JC. Merci beaucoup, Dan. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Hein? Bon, na salue peut Dan Linengu, mobali ya. Ya. Moi, ça Dan Kimi. Na pe si non botekuna, na. Na. Merci beaucoup, Dan Linengu. Voilà, ça c'était des salutations. Bon, tout son anana ma solo. Au sommaire de cette émission, Corneille Nanga fait des déclarations. Je vous cite. Il dit ceux qui sont en train de chercher la vérité des urnes aujourd'hui ont refusé la machine à voter. Pourquoi ils cherchent des vérités des urnes aujourd'hui? Ils avaient refusé la machine. Alors, ça signifie quoi, toutes ces déclarations? Vous allez voir, vous allez écouter l'analyse de M. Jean-Claude Kitete. Deuxième point, la DGM, Direction Générale des Migrations, donne une moratoire de 30 jours à tous les étrangers. Quand on parle des étrangers, vous devez faire la nuance. Ce n'est pas seulement ne pas être Congolais, non. Mais tu peux être Congolais, tu as changé de nationalité, tu es devenu étranger. Aux Arabes d'Amérique, aux Arabes congolais, aux Tika nationalité congolaise, aux Zouaïb américains, aux Arabes congolais, aux Botama, mais aux Arabes congolais, t'es Yamukanda. Aux Comme américains, aux Kota na Congo na visa.
aux Aranaf Belgique, na France, vous habitez la France, vous étiez congolais, vous êtes né congolais, mais vous avez changé de nationalité. Vous êtes devenu congolais américain d'origine congolaise, ou soit belge d'origine congolaise. C'est-à-dire que vous êtes belge, na papier. Ata makila na yo isa ya Congo, mais avant zonga Congo, vous devez présenter le visa pe okoma na ba séjour, 30 jours zonga na mboka no Belgique. OK Congo, 20 jours zonga na mboka no Amérique. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Et puis pour terminer, le livre de Monsieur Jean-Claude Kitete, Congo, un cadeau des étrangers. Ngako na tchaka ngo gâteau, ba tu siwa bengi ah, mais il y a Azoko kabambo kabui, bobenga ki belé. Vous pensez, oui, les gens pensaient que vous avez offert les pays aux étrangers. Donc, Kabimboka. Non, le titre est juste ironique, mais le contenu du livre parle du contraire de ce que dit le titre. Donc, on va en arriver, mais j'aimerais d'abord commencer par le commencement, parce que je suis là à votre disposition et pour pouvoir répondre si possible aux questions qui me seront posées par certains spectateurs de l'émission. Voilà. Donc, M. Jean-Claude n'a pas vendu les pays. Vous savez ceux qui ont vendu les pays. Lui, il a écrit seulement les livres. Congo, un cadeau des étrangers. Vous allez découvrir qu'est-ce qu'il parle dans son livre. Bon, commençons directement. Mettez-moi l'élément, je vous ai envoyé l'élément. Oui. Les gens qui sont à la maison, vous allez voir ça, même après. Mais vous qui nous suivez en direct, Nazoche Labino, vidéo Yananga, la petite vidéo là, cherchez d'abord. C'est comme. C'était seulement ça. Oui, c'est la déclaration. A été jusqu'au bout du suspense. C'est aux alentours de 3h du matin, après avoir dévoilé des résultats des élections provinciales, que Corneille Nanga donne enfin le nom du vainqueur du scrutin présidentiel, un résultat provisoire. Proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Dans le camp de Félix Tshisekedi, c'est l'euphorie. L'UDPS, le parti d'opposition fondé par le père Étienne Tshisekedi, accède à la magistrature suprême. Mais à quel prix? Aujourd'hui, le fils rend hommage à l'éternel clan adversaire du père. Des rumeurs sur un rapprochement avec Joseph Kabila circulaient. Le voile est levé. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter. Mais je le dis avec sincérité. Je rends hommage. Joseph Kabila, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Une escroquerie, une blague, rétorque Martin Fayoulou, le candidat arrivé second avec 34,8% des suffrages. Il dénonce un véritable putsch électoral et appelle les observateurs indépendants à donner leurs propres résultats. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Les résultats communiqués par la CENI peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera les résultats définitifs. Second, hein, avec 34,8%, ce n'est pas rien, mais vous avez évoqué ce matin un putsch électoral chez nos confrères de RFI. Pourtant, ce sont des résultats de la CENI, reconnus par le camp Kabila lui-même. Est-ce que ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la commission électorale? Je ne reconnais pas ces résultats parce que nous avons le résultat. J'ai fait plus que ça, près de deux fois plus que ça. Monsieur Félix Tshisekedi ne fait pas 20% dans les résultats que nous avons. Et la conférence épiscopale nationale du Congo a des résultats. Et les résultats sont connus. Et les résultats sont connus des Congolais parce que après le vote, on a procédé au dépouillement. Et après le dépouillement, les résultats ont été affichés dans chaque bureau de vote. Mais M. Fayoulou, la CENCO n'est pas un organe habilité à diffuser ce genre de chiffres, ce genre de résultats, vous êtes d'accord? Je suis tenté d'être d'accord avec vous, mais la CENCO a observé les élections
Mais quand vous avez un organe habilité à donner des chiffres, à organiser les élections, et que cet organe se met à trafiquer les chiffres, à construire les chiffres pour travestir les résultats des élections, et ça, comment voulez-vous avoir confiance en cette organisation? Non. Et nous avions des témoins, nous tous, nous avons le résultat. On ne va pas dire parce que nous ne sommes pas habilités à donner des chiffres et que nous allons croiser les bras et accepter les chiffres de la CENI. On comprend votre Tokubanda, surtout dans Dindenge, Nibeko et Mboka et Lobi. Sentiment nous en ango na moment où est-ce que aussi ici nous sala na opé au sala qui ango na ndenge longo bani de lokoko tambola kingasani masina lemba makolope au tout à tout le biété na pesa qui ba congolais élection mutuya de wana ya solo tu ko tambola to tambola ka sikini nous to kenda ka ngoya kabri na banda longo ati to tambola makolo problème est juste au moins na décembre ndenge sala qui ba bazoki Petite vidéo, et puis je salue mon pasteur Junior Jidekou, vraiment. Bon, attendez, parce que la vidéo est longue, je cherche seulement là où, je prends ces déclarations. Konay Nanga Sitop Congo, je ne publierai jamais les résultats bureau de vote par bureau de vote, parce que ce n'est pas une obligation légale. Le peuple avait besoin que le président de la République soit ici de l'opposition. Et nous sommes bâtis pour donner le pouvoir à l'opposition. Aujourd'hui même, ceux qui étaient contre la machine à voter recherchent la vérité de cette machine. Qu'est-ce que vous comprenez par ces déclarations? Et puis, il dit que les Congolais avaient besoin d'un président qui vient de l'opposition. On les a donnés. Donc c'est Félix Tshisekedi. Et puis il dit, ceux qui cherchent la vérité des urnes aujourd'hui avaient détesté ça avant les élections. Alors, que pensez-vous de la sortie médiatique de Konay Nanga et toutes ces déclarations avec la vidéo que vous venez d'écouter? Moi, je pense que la déclaration de Konay Nanga est assez irresponsable. Il n'a pas pesé les mots qu'il faut pour avant de faire cette déclaration-là. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je les traite de déclaration irresponsable? C'est parce que Nanga dit dans ses déclarations que la publication, je ne publierai pas les résultats du bureau de vote par bureau, parce que ce n'est pas une obligation légale. Le peuple avait besoin d'avoir un président de la République et j'ai lui ai, et qu'est-ce qu'il a dit? Nous nous sommes battus pour donner à l'opposition. Hein, nous nous sommes battus pour donner à l'opposition aujourd'hui un président. Aujourd'hui, même ceux qui étaient contre la machine à voter, recherche la vérité des urnes. D'abord, irresponsable, pourquoi? Parce que l'obligation légale et morale de ceux qui cherchent la vérité, il doit au moins les satisfaire. Montrer aux gens réellement que ce que vous cherchez comme vérité des urnes, le voici. Je les publie bureau par bureau.
C'est ça la transparence. Mais c'est ça même ce que la loi électorale demande. C'est ça justement ce que j'allais chuter par là. C'est ça aussi ce que dit la loi électorale. Il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion de comptage de voix. Mais lui refuse de publier ça. C'est irresponsable de sa part. Cette déclaration est tout à fait irresponsable. Quand un président de la commission électorale doit dire je ne pourrai pas publier les résultats bureau par les résultats de vote bureau par bureau parce que ce n'est pas une obligation légale, mais vous contredisez même la loi électorale qui demande à ce qu'il y ait de la transparence et que quand une partie c'est sans gruger, c'est sans priver de la vérité, il faudrait l'étaler au grand public pour dire voilà la vérité, qu'est-ce que vous voulez encore? C'est qu'il a caché quelque chose. Et dire ensuite que vous avez cherché un nouveau, c'est pas moi, un président, nous nous sommes battus pour donner à l'opposition... Cela dénote encore d'une grande irresponsabilité. Ça signifie en d'autres termes que les résultats ont été manipulés. Parce que comment lui va se battre pour donner à l'opposition? Donner, donc c'est un cadeau qu'ils ont fait à l'opposition. Analysons les termes. Nous nous sommes battus pour donner à l'opposition un président. Donc c'est un cadeau que la CENI et ces contours se sont organisés pour pouvoir donner un président. Et non, ils n'ont pas pu en considération les votes, disons, les souverains primaires, les votants, qui est le peuple. Donc c'est encore une autre façon de pouvoir insulter le peuple. C'est un affront au peuple congolais. Donc aujourd'hui, moi je considère que Nanga a été aussi responsable en avançant cette déclaration à la portée du public congolais. C'est vraiment irréfléchi, c'est irrationnel de dire qu'il s'est battu, lui et ses compagnons se sont battus pour donner à l'opposition un président. On ne donne pas à l'opposition un président. C'est l'opposition elle-même, à travers le peuple, à travers les souverains primaires, qui est le peuple qui gagne les élections. Et non que la CENI puisse s'arranger, manipuler à sa manière les résultats pour donner les résultats qui ne concordent pas avec la vérité. C'est qui montre, par ailleurs, qu'il y a eu manipulation. Qu'il y a eu trucage quelque part. Je ne sais pas comment, mais eux-mêmes savent la vérité. Oui, mais maintenant, clairement, selon vous, qui avait vraiment gagné les élections? Je ne saurais pas dire que tel ou tel autre a gagné les élections. Attendez, je vous cite les noms. Il y avait trois personnes. Il y avait Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Shadary Emmanuel. Selon vous, qui avait réellement gagné ces élections-là de 2018 et le 30 décembre? Je ne peux pas déclarer selon moi, mais d'après les informations nous parvenant, nous avons appris que M. Martin Fayulu avait pris de l'avance sur tous les autres candidats aux élections présidentielles. C'est ce que nous avons appris. C'est ce que nous avons appris. Je suis responsable et je pèse mes mots. Ce n'est pas moi qui ai fait le comptage de voix, mais selon les sources d'informations que nous avons appris, des informations que nous avons... Là, vous êtes en train de faire allusion, de penser à Cinco et d'autres observateurs qui étaient là. Aux observateurs indépendants, des partis politiques et consorts, et certaines individualités, nous avons appris effectivement que Martin prenait beaucoup, il avait pris beaucoup plus d'avance à d'autres par rapport à d'autres candidats aux élections. Donc ce qui montre qu'il y a eu quelque part des manipulations pour pouvoir arranger, faire en sorte que tel ou les présidents actuels puissent passer président de la République. Puisse être l'élu, mais bon, la vérité des urnes. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut en faire? On se résigne,
nous sommes là comme analystes et observateurs, on se résigne parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, le pouvoir au monde et surtout en République démocratique du Congo, c'est un pouvoir d'exploitation et d'oppression. Donc les plus forts commandent, les plus forts dictent sa loi. Donc on ne peut rien. On ne peut rien, mais il y a d'autres solutions que nous envisageons pour que le peuple se sente représenté dans la gestion du pays. Bon, normalement, revenons d'abord sur les propos de Nanga. Mais pourquoi ça lui dérange ce que Martin Fayulu le fait? Si il s'estime qu'il n'y a eu aucune interférence dans ces élections, et puis s'il estime que ce qu'il a donné, c'est réel, c'est une vérité ou c'était vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'expression populaire, les votes. Mais pourquoi ça lui dérange, ce que Martin Fayulu le fait? On appelle ça des remords. Ce sont des remords qui sont en train de secouer l'esprit de Corneille Nanga actuellement. Il se sent coupable quelque part d'avoir la conscience. Il y a quelque chose dans la vie qu'on ne peut pas à laquelle on ne peut pas échapper. La conscience, on ne peut pas payer la conscience pour que la conscience vous laisse tranquille. Si vous avez fait du mal, quel que soit votre niveau, votre responsabilité, vous pouvez donner. Il n'y a même pas moyen de pouvoir acheter votre conscience pour dire « Conscience, laisse-moi tranquille par rapport au mal, au préjudice que j'ai commis par rapport à telle ou telle situation. » Il n'y en a pas. C'est la conscience de Nanga qui est en train de le reprocher lui-même et qui fait que Nanga puisse proférer des sottises pareilles à la télévision. Parce que c'est de la sottise dire que nous nous sommes battus pour donner à l'opposition. On ne donne pas à l'opposition, ce n'est pas un cadeau. Les élections ne sont pas un cadeau. Mais Badbanol Baraké, non, Joseph Akin, les Congolais, Mourakoumana, c'est ce que les Congolais voulaient. Ce que les Congolais voulaient. En d'autres termes, c'est ça. C'est-à-dire, na lingala na ngazolo bakaki vous avez na posa congolais to chelibno congolais. Là c'est une autre manche d'affaires. Nous sommes d'abord dans ces déclarations. Si nous devons abonder dans le sens où vous dites que les Congolais cherchaient à ce qu'un Congolais soit à la présidence. Ce n'est pas du tout mauvais. Nous avons dit hier, j'ai analysé le fait. Je me suis dit, d'après mes analyses, j'ai pris ces élections-là sous deux angles, deux plans. Le premier plan, c'est au niveau du fond, de la forme. Au niveau de la forme, moi, je me suis dit, il y a quand même une réussite, une avancée, mais à mi-chemin. Avancer à mi-chemin parce que la figure Joseph Kabila a été mise de côté. On a une autre figure, Tshisekedi. C'est déjà une victoire, mais à mi-chemin. Sur le plan du fond maintenant, ça c'était sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, je me suis dit que là, il y a encore deux problèmes. Le problème, c'est dans ce sens que la victoire que nous avons, que nous observons aujourd'hui sur la scène politique a été arrangée, a été un deal, comme vous avez l'habitude de l'appeler. C'était un arrangement politique, une alliance faite entre deux groupes, la coalition FCC et la coalition CASH. Ce qui montre à suffisance, ce qui prouve à suffisance aujourd'hui que ces élections ne représente pas la vérité des urnes, objectivement. Je ne suis ni pour la Mouka, ni pour Cash. Mais, de façon objective, je me dis que
que ces élections n'ont pas été transparentes du moment où on a vu l'alliance CASH et FCC s'accorder et faire ensemble la coalition et marcher aujourd'hui. Bien que Félix est président de la République, mais nous voyons planer l'ombre de Joseph Kabila, l'ombre du PPRD, l'ombre du FCC et autour du pouvoir. C'est clair. Même les petits-enfants congolais, la jeunesse, c'est le voir aujourd'hui. Qui ne sait pas aujourd'hui que l'ombre de Kabila plane encore autour du pouvoir de Tshisekedi. La preuve est là que le premier ministre qui est sorti a d'abord commencé, il a remercié bien sûr Tshisekedi, mais il a plutôt dit quelques mots de remerciements à Tshisekedi, mais beaucoup plus de mots de remerciements à son mentor qui est Joseph Kabila. Il faut aussi préciser, il a bien dit que merci de m'avoir choisi. Voilà, merci de m'avoir choisi. Ça montre à suffisance que l'ombre de Joseph Kabila continue encore à planer dans la sphère politique du Congo. Et puis il y a un détail très important là-bas. Normalement, cette ordonnance devrait suivre les lois et les lois et les ordonnances pour la nomination du pays. Mais il y a un petit passage là-bas qui détermine que c'était sur base des accords. Si vous, je crois que je vais vous chercher ça. C'est comme si c'est sur base des accords. Mais les gens ne comprennent toujours pas. C'est ça justement les nominations au pays en République démocratique du Congo ne suivront plus les normes normales, c'est-à-dire ne suivront plus la législation ou la constitution ou tout ça là. Ce qui régissent les nominations, les grades, ça va commencer à suivre les accords du deal. C'est ça justement, on est en train de on continue à violer de façon permanente la constitution avec les accords. Parce que ces accords-là, ceux qui ont signé les accords et ceux qui sont les auteurs de ces accords demandent à ce que ces accords soient respectés, au dépend même de la constitution. Donc, nous allons, moi je prédis que d'ici 2-3 ans, nous allons vivre au Congo, je disais, avec ce tohu-bohu, parce que ça, c'est du mélu-mélo, du tohu-bohu que nous assistons dans la sphère de l'arène politique congolaise aujourd'hui. C'est fort probable que nous puissions arriver à des cul-de-sac dans l'avenir, sous peu, et qui feront en sorte que seuls les profiteurs de la situation, les bénéficiaires de la situation ne seront que les politiciens qui se sont arrangés pour avoir leur part dans le gâteau national. Mais le peuple ne va pas se retrouver. Et il y aura encore d'autres marchés. Je vous l'ai dit et je le prédis. Un jour, vous me donnerez raison. À un moment donné, on va arriver à des impasses où le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, va réclamer sa quote-part. Maintenant, parlons un peu des sanctions, parce que nous sommes en train de voir les Américains, les Européens ne sanctionnent que les Congolais. Quel est votre avis sur ces sanctions-là? Pourquoi ils ne sanctionnent pas d'autres nationalités? Même ici, les Congolais ont fait du mal, mais ce n'est pas seulement les Congolais qui font du mal. Ce n'est pas seulement les Congolais qui détournent les deniers publics. Il y a aussi des gens là qui sont venus d'ailleurs, qui sont là, ou soit qui sont aussi dans d'autres pays. Pourquoi on ne les sanctionne pas? On sanctionne seulement nos dirigeants, seulement les Congolais. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas juste? Que passez-vous des sanctions américaines, européennes, seulement aux Congolais? Et pas aux Rwandais, pas aux Burundais, pas aux Tanzaniens, aux Zambiens, aux Ougandais. C'est seulement les dignitaires congolais qu'on est en train de dépunir. Pourquoi ça? Je pense qu'hier, j'ai abordé
de façon à la volée cette question-là. J'ai dit ceci que aujourd'hui, le Congo est en guerre de l'interne et de l'externe. La guerre interne, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais la guerre externe, c'est cette guerre des lobbies internationaux et des impérialistes, des puissances impérialistes, surtout occidentales, qui prennent le Congo comme un butin, une proie internationale. Un gâteau. Un gâteau international où chacun doit venir retirer sa part. Et aujourd'hui, je dois vous dire une chose, une vérité, peut-être que vous ignorez. L'échec que l'Occident, les Occidentaux ont subi en Syrie fait en sorte qu'ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent commencer, où est-ce qu'ils peuvent créer encore une autre guerre, une autre confusion. Et le Congo a la brèche ouverte. Le Congo a une brèche très ouverte pour que les Occidentaux créent une guerre ici. Et tout ce qui s'est fait là, ce sont des manœuvres de diversion et des manœuvres de manipulation de pouvoir créer la confusion dans l'esprit des Congolais pour que ces lobbies internationaux et ces puissances impérialistes continuent encore le pillage des ressources au Congo. Prenez par exemple, je vais vous illustrer quelque chose. La maladie de l'Ebola. Vous savez où elle est née, c'est au Congo, c'est ce que les hommes des sciences disent. Mais pourquoi cette maladie ne fait que surgir, ressurgir? L'émergence de cette maladie, vous en connaissez les causes? Non, rien du tout. Justement parce que on est en train de distraire les Congolais. Il y a des antidotes pour la maladie de l'Ebola. Mais chaque fois qu'il y a une situation un peu paisible, une situation qui veut s'arranger au Congo, on voit voilà, la résurgence de cette maladie. Par quel miracle, on ne sait pas. Dernièrement, ici, juste après les élections, vous avez appris qu'il y a eu Ebola, je ne sais pas moi, à l'est de... Il y en a jusqu'à aujourd'hui, il y a Ebola. Ça continue encore à décimer la population vers ces côtés-là. Donc, les gens qui ont créé cette virus d'Ebola, on ne peut pas passer par quatre chemins pour les démontrer. Ce sont des Occidentaux. Et cet Ebola-là ne se limite qu'au Congo ou en Afrique. L'Ebola ne peut pas traverser comme les SIDA et d'autres maladies du siècle. Ça reste des points d'interrogation. Donc les Congolais doivent réfléchir et mettre des mécanismes assez solides pour pouvoir contrer cette invasion de la maladie Ebola qui a d'ailleurs été créée pour une cause bien précise. Et je disais, je dois reculer un tout petit peu pour vous dire que la guerre, les fiascos que les Occidentaux ont écopés en Syrie fait qu'aujourd'hui, ils cherchent à déstabiliser le Congo de sorte qu'ils continuent à piller les matières premières, les ressources naturelles au Congo. Parce que personne ne vous trompe, l'industrie aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, l'industrie technologique aujourd'hui au monde, je pèse bien mes mots, l'industrie technologique aujourd'hui au monde est alimentée
à 60 ou 70% par les ressources minières du Congo. L'industrie technologique aujourd'hui au monde est alimentée à 60 ou 70% et voire même plus par les ressources naturelles, les ressources minières, les sous-sols du Congo. Le coltan, vous en connaissez, il n'y a même pas à vous démontrer. Et aujourd'hui, les créations, le monde va faire face à des créations de voitures électriques qui nécessitent aujourd'hui de façon obligatoire l'usage des cuivres. Et le Congo en possède au moins 80 à 90% de réserves mondiales de cuivre. En tout cas, M. JC, merci beaucoup. Il y a Serge Boukassa qui vous a salué. Il dit, n'attends rapidement. Chers amis, vous qui allez nous suivre à la maison, vous allez voir, si vous êtes branchés sur Facebook, vous allez voir les commentaires. Les commentaires que je lis, ça vient des directs que nous faisons. Il y a Serge Boukassa qui dit, mon boss Jean-Claude, je vous salue. Merci. Monsieur Serge Boukassa. Serge Boukassa est à Ayoa. C'est un ami que je connais depuis Kinshasa et ça fait longtemps, mais je n'ai pas encore eu la chance de le croiser ici. L'occasion viendra certainement. Il y a aussi le gouverneur de l'Illinois. Il n'est plus gouverneur de Kalesbou, mais il m'a dit, à comme gouverneur, il y a Illinois Mobimba, Patrick Palana. Abi. Gouverneur Patrick Palana, salut, merci beaucoup. Il y a maman Gisèle Poutou Palana. En tout cas, salut et maman Gisèle aussi à côté, parce que on est là, on est en train de déballer ce que nous connaissons d'après nos analyses et d'après ce que nous faisons comme recherche par rapport à la situation du Congo. Voilà. Donc, s'il y a des questions, ils peuvent toujours appeler. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, avant aussi ça, vous pouvez même poser des questions, on va lire vos questions. Et puis, Pati Palana, gouverneur, il faut expliquer Bissot. Neni ni a comme gouverneur Illinois parce que ma tebele ma bengi bengi au sauté, donc il faut expliquer Bissot. Bon, on passe au deuxième sujet parce que nous avons trois sujets. Directement, on passe au deuxième sujet. La deuxième, vous pouvez prendre l'élément, mais j'aimerais batubele bazo le bolingi français va casse. Est-ce que mieux en français qu'en lingala. Je connais le lingala, mais les termes, il y a d'autres termes qui sont spécifiques en français et que je ne saurais pas traduire, les traduire et les rendre en. Mais là, on s'appelle là. Là, on s'appelle là. Oui, je sais. Bon. Mais là, on s'appelle là. Au Sangisara. Gouverneur Binini. Gouverneur Binini, dis-lui que nous sommes avec Adoula. Bana tonton. Bana tonton. Mes salutations à Adoula. Adoula est à Galesbourg. Merci beaucoup, Adoula. En tout cas, on s'appelle là. On s'appelle là. On s'appelle là. Voilà. Alors, nous passons. Deuxième sujet, donc émission c'est bilingue. Okay. Vous voyez, il y a beaucoup français à Ramoulaï. Bah, au Kazakh, émission ça va français, émission ça va congolais. Donc, le Congo, c'est un pays quand même francophone, n'est-ce pas? Voilà, chers amis, ça c'était l'ambiance de l'émission. Vous suivez l'émission Tati. Tati, c'est la grande émission politique de Tout Savoir Télévision. Alors, deuxième sujet rapidement. La DGM, la Direction générale des migrations, a donné une moratoire de 30 jours aux étrangers de se conformer. Ça signifie quoi? Tu es étranger, béninois, sénégalais, américain, belge, français, vous habitez au Congo, allez voir la DGM pour régler vos documents. Nous sommes avec Mobutu et Anthony Lidé. Salut à tous les deux, Mobutu et Anthony. En tout cas, toutes mes salutations pour ce dimanche. Oui, je dis Mobutu et Anthony Lidé, mes salutations dominicales. Voilà. Alors, tout maintenant, nous. Merci Mingi, Bozela. Merci Bambote Sima, gouverneur Ancien Patrick. Bambote Sima, aussi Sanon Bassijo Zébélé. Deuxième ajout, décision Boué. Parce que le coup, il faut expliquer bien, étranger, nous sommes,
bokende ko bongisa mikana na mino po na 30 jours wa bazoko traquer bino. Alors, ozala rappel congolais au soit nationalité au comme américain to comme belge yeba ke yindi déjà et comme ko yinda déjà. Elingolo banini. Déjà ma kolandela yo. Ozui visa awawa ozala no congolais to obotama na maluku o obotama na kauka obotama soki na bandundu obotama peza problème ité mais oya amérique olobi ke congo za mboka pasi otiki nzambe nenga chaka congolais o préféré peut-être pour na intérêt moko botuma ka moko bo changer na nationalité mais yeba boye deuxième na biso na tangela bino ngaité pesa kasi donner l'article zana tangela bino mibeko e ko isikoyo soko changer nationalité ke Congo yeba ko bano futa mbongo et puis faut mi kanane za la bien et puis faut fouter là ozana ndaku na yo moko ke no vana baba paranoté to place moko boyo ke no fanda il faut fouter la ndaku na yo ba mibeko changer zana tangela bino mbango zanga ité Jean Fassi rotier la bino bat na ndaku mais bino bato bozoko tala yango yo article yango ezana actualité.cd zana tangela bino mbango. Alors la direction générale, cette mesure est la matérialisation des résolutions prises par les nouveaux dirigeants afin de moderniser et structurer les services annoncés au cours d'une rencontre avec quelques étrangers à la maison de France. Bon, ça n'attend pas rapidement parce que ma camouza a changé dans RDC. Au changeant de nationalité. C'est ça, deux moratoires. Oui, deux mois de moratoire accordés aux étrangers en situation irrégulière. Alors, moi personnellement, je salue cette décision parce que trop c'est trop. Les Congo étaient devenus une passoire. Moutounions sont au côté naïe, étrangers sont au côté, ça n'importe quoi, au bima. Alors, deuxième autre décision, étrangers sont au côté, comme l'a expliqué Kiawa. C'est-à-dire, Bagobenga ozarano congolais mais okoma belge oza belge mais d'origine congolaise na ba papier oza sou congolais té oza na ba passeport abatu adwanga peso na kuteno na ndela imaginons o sali limbeba moko kuna bakongbata yo lokola congolais té mais bakongbata yo lokola belge bakongbata yo lokola américain. Alors que pensez-vous de cette décision? Il y a deuxième, il y a ko lande la ba étranger ataba na mboka mais ba changer nationalité deuxième ko lande la bango. Moi je pense que tout état de droit, toute nation qui se respecte doit appliquer les lois qui régissent cette nation à tous les individus, que ce soit aux nationaux, que ce soit aux étrangers. Et c'est une bonne chose. Ce que je pense, c'est que c'est une bonne décision. Mais pourquoi on y est arrivé? C'est parce qu'il y a eu un laisser-aller terrible au Congo. Ce laisser-aller a fait que les étrangers en situation irrégulière viennent et élisent domicile au pays et font du n'importe quoi. Justement parce que nous étions en face des dirigeants irresponsables, des dirigeants qui ne savaient pas ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer le développement du pays. Tant que toutes les décisions que le président actuel, Félix Tshisekedi, et son gouvernement pourront prendre pour ramener l'ordre dans le pays, ces décisions ne seront que saluées par tout Congolais. Et personnellement, j'ai beaucoup salué cette décision parce que trop, c'est trop avec les étrangers. Mais ce que j'allais ajouter, c'est que dans un pays où les désordres, l'illégitimité passe en premier, il y a tous les clans de mafieux mondiaux qui viennent s'installer dans ce pays. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des Libanais. Les Libanais sont les plus grands mafieux du monde. Les Indo-Pakistanais.
ce sont des mafieux, des grands mafieux. Et tous ces conglomérats de puissances étrangères viennent interférer au Congo justement parce qu'ils ont trouvé la porte ouverte. Et qui servent de clés de voûte pour ouvrir cette porte ouverte à ces mafieux du monde? Ce sont justement les Congolais, les dirigeants congolais. Donc ce sont les dirigeants congolais qui ont ouvert la porte à tous ces mafieux pour que le Congo soit aujourd'hui ce qu'il est, qu'il y ait du désordre et qu'on pille le pays aux dépens du peuple congolais. Regardez, je venais de voir il y a 2-3 mois un documentaire sur Mobutu. À cette époque, Mobutu était un peu catégorique en disant qu'il ne peut pas. Il ne peut pas laisser à ce que les étrangers qui viennent au Congo puissent vendre et en gros et en détail les marchandises. Mais ce qui se passe à Kinshasa, j'ai été en septembre dernier à Kinshasa, mais c'est horrible. Et les Chinois qui sont venus faire les travaux publics. Les cinq chantiers. Les cinq chantiers aménagés, assainir les routes et consorts sont devenus des marchands de beignets. Les marchands de Polo, tout savoir sont là. Donc, j'ai amené un lot de 30 polos. Toutes les tailles. On a large, on a médium, on a XL. On a appelé XL. Il y a un polo 6K. Somma pour la 100 euros. O la ta kitoko tout savoir tant au tala rabiso bouye bo soutenir pe biso to zoa mbongo ko lesa bana mbongo ko somba carburant Mélanie nazala na galesbu somba pola fanga kende na pesio mbote Mélanie keto bo mesala ye atala rabiso makasi bon waiza ki mabanga. Alors j'ai de na tanga no ba kesio ya arimo ya lobinini. Abi, un Américain d'origine congolaise ne peut aucun devenir un étranger au Congo. Il faut savoir faire la nuance, monsieur. Ah, Henri, Eza Ngaïté, Eza. Et ça, vous pouvez répondre d'abord, Henri, parce que Henri, Nga, la journaliste, un Américain tout na. D'origine congolaise ne peut en aucun cas, peut-être que c'est ce qu'il allait dire, ne peut en aucun cas devenir. Un étranger au Congo, il faut savoir faire la nuance. D'origine congolaise, des gens qui se sont naturalisés congolais et américains ne peuvent en aucun cas. Est-ce que vous m'avez suivi? Non, moi je pense que Henri, je pense que c'est la loi qui détermine qui est congolais et qui ne l'est pas. À ce que je sache, la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc, dès lors qu'un individu, dès lors qu'un Congolais de la RDC vient aux États-Unis et change la nationalité et devient américain, c'est fini pour lui la nationalité congolaise. Donc, il sera congolais. Et dès qu'il rentre au pays, il sera considéré comme un Américain. C'est la loi, ce n'est pas nous, moi ou Marcel qui déterminons la. C'est la loi fondamentale, la constitution qui détermine les types, disons, les règles du jeu. Donc c'est ainsi. Si aujourd'hui on adopte au niveau du Parlement les principes de la double nationalité, alors un Congolais qui change de nationalité peut aussi rester Congolais si lui-même le veut, si lui-même accepte le principe de double nationalité. Mais tant que la constitution n'a pas encore prévu, n'a pas encore trouvé des amendements par rapport à cet article-là, je pense que tout Congolais qui est aux États-Unis et qui aurait déjà changé sa nationalité est considéré américain jusqu'à la preuve du contraire. S'il rentre au Congo, il restera encore
américain jusqu'à ce que lui-même puisse désister, se désister de cette... Je vous donne, Henri, je vous donne un cas présent. Salomon Escadela. Salomon Escadela, quand même, en Belgique, pour Nanine. Parce qu'il y a comme un Belge. Et puis, président, si vous avez beaucoup de passeport, n'a pas ce exemple moko pour na repère ça yo exemple belé arabi nini susu abi il est détenteur de double nationalité au Congo ça n'existe pas en Amérique la constitution américaine consacre les principes de la double nationalité mais la constitution congolaise rejette ce principe de la double nationalité à ce que je sache, et les constitutionnalistes peuvent me confirmer dans ce sens-là. Henri, oui, donc il faut comprendre, ici nous sommes en train de faire c'est la discussion, dans la discussion jaillit la lumière. Mais et la discussion par rapport à la science, et la science, la constitution fait partie de la science, n'est-ce pas? Oui, tout en rapidement, mon frère, par absence de loi, le pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est le pasteur Romain, pasteur politicien à Iowa City. Oui, c'est ce que je venais de dire. Dans un État où les lois ne s'appliquent pas comme ils se doivent, cet État ouvre la brèche, donc ouvre la porte béante, la porte ouverte à tous les mafieux du monde à pouvoir venir faire n'importe quoi. C'est ce que je venais de dire. Il n'y a pas de contradiction entre ce que il a dit. Donc, le Congo, à un certain moment, jusqu'à dans les années, disons, à partir de la mort de Mousé, il faut se le dire, pendant l'époque du président Kabila, le Congo a ouvert sa porte à tous les mafieux du monde. On a vu des gens venir piller au Congo, faire de n'importe quoi. Donc c'est désolant et c'est scandaleux d'ailleurs. Espérons que avec l'avènement de Monsieur Félix Tshisekedi, les choses pourront changer. Et c'est cela l'aspiration profonde du Congolais aujourd'hui. Tout le monde veut le changement. Tout le monde aspire à ce que demain, nous puissions quand même goûter du fruit de nos ressources et non que certains puissent en profiter. Certains qui sont des étrangers. J'ai une fois suivi un Allemand qui disait ceci, qu'il venait au Congo avec... 15 millions de dollars. Il vient au Congo avec 15 millions de dollars, mais il en sortira avec 1 milliard de dollars. Et j'ai demandé pourquoi. Il dit, mais au Congo, moi je viens juste pour exploiter les lithium. Les lithium, pour ceux qui ne savent pas, les lithium c'est une matière... une ressource minière au Congo qui d'ailleurs est... se retrouve beaucoup plus dans la partie du nord, au Katanga. Le lithium sert à la fabrication des piles et même des batteries aussi. Alors, il dit quoi? Aujourd'hui, l'industrie technologique a besoin de cette matière. Et lui dit ceci, c'est un Allemand, il a dit ceci, il vient avec ses 15 millions de dollars, il va exploiter le lithium et il pourra le faire pendant 5 ans ou 6 ans, 7 ans et il en sortira. Donc il sortira du Congo avec 1 milliard de dollars. Ça signifie quoi? Que l'État ne contrôle pas. L'État laisse les gens venir avec des millions, exploiter les richesses du pays à leur gré. Voilà, je vous lis encore ce que la DGM vient de prendre comme décision. Henri, vous devez comprendre que le pays doit changer. Et puis, si vous avez changé de nationalité, vous êtes Congolais d'origine, mais vous n'êtes plus Congolais sur papier. Voilà. Votre passeport ne sera plus le passeport congolais. Vous aurez le passeport américain
ou belge. Identité, identité en général n'est plus congolais. N'est plus congolaise. Donc, j'ai là, montrez-moi. Attends, je vous lis l'article. Ce n'est pas moi ou ce n'est pas, mais c'est Jean-Claude qui a pris cette décision. C'est la deuxième. Kende kuna la deuxième. Ok, nous retournons à Bango pour la nuit décision. Wana. Parmi les décisions, on a lobby boy. Ceux qui ont changé de nationalité, comme américain, comme belge, comme français, aux ana au congolais, ok, il n'a qu'il chasse ça. Il faut aux ananda kuna yo, ok, aux alate colocataire, te, to vanara, te, ezagimi bali, zonga, côté peno, détail, ezali. Soko vanara, aux ananda kuna yo, quoi, aux ala propriétaire. Et puis, il faut déclarer ma ressource financière na yo. C'est-à-dire, si vous avez une carte bancaire, vous avez mis en cours dans la deuxième, vous avez commis dans la deuxième, vous avez étranger. C'est-à-dire, vous avez congolais, mais comme américain. La nationalité congolaise, vous avez un mot. Il faut avoir un visa pour le Congo. Il faut aller à l'ambassade à Congo, aux États-Unis, pour avoir un visa pour le Congo. Vous avez un désordre. C'est quand même les règles du jeu. Oui, c'est ça. Attendez, je vais vous lire ce que la DGM a dit pour que vous. Abinini, est-ce que vous avez que tout Congolais ayant une double nationalité obtient son visa à la porte d'entrée? Il suffit de présenter une preuve que vous êtes Congolais, c'est tout. Ah. Ça, c'est autre chose. Vous ne comprenez pas ce que nous disons. Non, ça c'est le passé justement, le passé macabre que nous avons vécu avec le régime de Kabila. C'est le passé macabre, le passé que tout le monde décrit aujourd'hui. Nous sommes en train de décrier ce passé avec les désordres qu'a entraîné le régime de Kabila au pouvoir. Mais actuellement, avec le régime de Félix Kabila, plutôt de Félix Tshisekedi, excusez-moi, avec le régime de Félix Tshisekedi, la DGM a pris la décision applique les principes de la Constitution comme il doit être appliqué. Il dit que pour entrer au Congo, il faudrait un visa et puis on va contrôler. Vous avez eu un visa étranger, c'est pas moi, pakistanais ou congolais d'origine qui est naturalisé américain, canadien, français, vous devez avoir un visa qui détermine le nombre de séjours, de votre séjour sur le territoire congolais et qui est dans la légalité, quoi. Donc, vous êtes américain ou congolais d'origine, mais américain aujourd'hui. Disons, moi je n'ai jamais changé la nationalité, je suis congolais toujours. Mais si, par exemple, il y a un congolais aujourd'hui qui veut se rendre au Congo, bon, qui un américain plutôt, d'origine congolaise, qui veut se rendre au Congo, il doit prendre la nationalité, il doit demander le visa au niveau de l'ambassade, dès que cela lui est accordé, et il part, mais dans la légalité. Et au moment, à la fin de son visa, de son séjour, il doit quitter le pays. S'il ne quitte pas, il sera en situation irrégulière. Soit il renouvelle ses séjours, en payant les pénalités. Harry dit quoi? Je t'envoie cette décision. Oh. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'envoies la décision. Non, qu'il puisse nous l'envoyer parce que. Je sais que jusqu'à la preuve du contraire, les choses n'ont pas encore changé. C'est tout ce que tu. C'est ça. Mais bon, les décisions sont comme ça. Harry dit quoi? Ce qui fait la différence entre un étranger et un Congolais détenteur de deux nationalités. Non. Je n'en disconviens pas. Si tu es Congolais, tu as changé de nationalité, ce n'est pas dit que tu ne peux pas rentrer au pays. Nous n'avons pas dit ça. Mais nous sommes en train de dire ceci. Ceux qui sont Congolais, au vendre en Amérique, au comme Américain, c'est-à-dire au tiki nationalité congolaise, aux yeux américains, tant que vous êtes Congo, vous considérez yo le Congolais te na ba papier na yo. Nazako lo ba bien ri. Tu es américain. Aux Américains. Américain. Avec la naturalisation américaine,
tu seras considéré comme un étranger américain au Congo, sur le sol congolais. Jusque-là, la constitution n'a pas encore changé, n'a pas encore été amendée. Henri, si tu as des preuves que la constitution a été amendée sur ce point-là, sur ces principes-là, tu peux me les envoyer, nous l'envoyer ici sur le plateau. On pourra alors éplucher et savoir ce que c'est. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je me suis renseigné et je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. La constitution n'a pas encore changé sur ce point-là. Je vous ai donné un cas présent. Salomon Escadella, conseiller à Moïse Katumbi. Atika na Belgique pour Anine. Dernièrement, monsieur Emery Mbaya, l'année passée, il a voulu. Le président des Congolais de Galesbourg. Il devait se rendre au Congo à la même période que moi. Mais son visa n'était pas encore sorti et il a retardé. Il a d'ailleurs repoussé avec des pénalités au niveau de la compagnie d'aviation pour le billet qu'il avait déjà acheté. Et il est resté. Et moi, je l'ai précédé. Je suis allé avant lui parce que je n'ai jamais changé de nationalité. Je reste toujours Congolais. Mais lui qui avait déjà changé de nationalité est resté. C'est pour autant dire que Les principes de la double nationalité n'est pas encore acquise, n'est pas encore acquis au Congo. Donc le Congo reste encore, la nationalité congolaise reste une et exclusive. Voilà. Pour preuve, n'a pas preuve à Salomon Escadella. Salomon Escadella, c'est le conseiller de Moïse Katumbi. Ils étaient Salomon Escadella, ils étaient Olivier Kamitatu, Francis Kalombo, Moïse Katumbi. Mais Francis Kalombo, Olivier Kamitatu sont déjà rentrés en République démocratique du Congo. Salomon a changé de nationalité, il est devenu belge. Alors la loi, présidence, va appliquer loi. Bon, il vient de partir, allez-y lui poser des questions. Bon, ce n'est pas aussi pour dévoiler. Mais si quelqu'un le fait aujourd'hui, il est américain. Hein, il a changé de langue. Un Congolais d'origine américain aujourd'hui qui se rend au Congo avec le passeport américain, il le fait frauduleusement. Il le fait frauduleusement. Et s'il est attrapé, il pourrait écoper des sanctions en vigueur par rapport à la loi. Voilà. Il y a des gens qui le font. Même en France, il y a des Congolais qui ont déjà changé de nationalité depuis belle lurette, qui se rendent au Congo, mais c'est de façon frauduleuse. Ce n'est pas qu'ils le font par rapport à ce que demande la Constitution. Non. Ils sont en train de violer la Constitution. Voilà. Henri, nous sommes en train d'informer. Soko Lingi, aux yeux d'information. Soko Boi, au Tikinayo. Mukoloko Kende Kuna Congo. Yonde ko comprendre, biso to se comprendre. Ngana zoko yebi soka ka information deuxième à lobby. Soko mon info. Mais le contrôle, il faut dire que le contrôle au niveau de la des guichets de l'aéroport sont stricts. Si on vous attrape, on va vous rapatrier dans votre pays de naturalisation. Même si ozana au congolais, soko so changer nationalité au père de qui congolais na yo. Au tirali na yo congolais d'origine, mais au perdre en gros parce que au commis, on s'est naturalisé. Tant que le Congo va considérer le sous-roi congolais. Tout n'a pas eu ça. Et puis, voilà les décisions. Les amis, ça tout. Deuxième à l'objet, au Kolakisa, Mbongo, il faut passer au salaire de la transaction. Il y a une banque, au salaire de la transaction en tant qu'étranger. Voilà les amis, bien que ça qu'il y a. Ba étranger nyon se fo ba la ki sa ba compte na bango et puis ba banque moko sérieuse kuna na Kinshasa to na Congo hein ezaka Kinshasa tata so boza na question bo tuni papa Jean-Claude tozolo étoile brillante abini ni bonjour mon frère Marcel, juste une précision, Francis Kalombo a aussi la nationalité française? En tout cas, à ce que je sache, je ne saurais pas dire oui ou non parce que je n'ai pas assez d'informations puisées sur Monsieur Francis Kalombo. Donc là, je me résigne vraiment à dire que je ne sais rien de la personne. Parce que
quand les gens changent de nationalité, ils ne peuvent pas les publier et dire, voilà, je suis devenu français ou je n'ai pas changé de nationalité. Donc, c'est mieux de pouvoir vous renseigner auprès de la personne attitrée qui pourrait peut-être vous dire qu'il garde encore la nationalité congolaise ou il a changé de nationalité. Mais moi, personnellement, je n'ai pas d'informations sur ces messieurs. Voilà. Même moi, je peux dire oui ou non, dans le sens que si Francis Kalombo a changé de nationalité et qu'il pouvait renoncer, parce que ça signifie quoi? Tu peux changer la nationalité aujourd'hui, mais tu te dis, je ne veux plus ça. Tu renonces. Alors, le juge va vous écrire une note que tu as renoncé. À ce moment-là, tu retournes congolais. Donc, tu peux aller au Congo sans visa. Mais s'il n'y a pas une note de la justice du pays dans lequel tu as pris la nationalité, c'est difficile d'entrer au Congo. Il y a un moment où Salomon Escadela a tiqué la Belgique, pas comme un Belge. Bandimi a betel ministry nazo teka ba polo ya ngoyo ya tout savoir au lati kitoko au ningiso lati kitoko ba size no sweza. Alors pour terminer cette émission, Ibra na pesso moté, nous pour terminer cette émission, nous allons parler des livres de monsieur Jean-Claude. C'est un écrivain congolais habitant ici aux États-Unis. Il écrit et dans sa maison beaucoup de livres ici. Donc Nazuka Ndamboyo, tant de livres, tant de rebelles, donc beaucoup de livres. Congolais, vous devez maintenant commencer à lire beaucoup au lieu de beaucoup parler. Yo Moussa Nora go tonga batu, Moussa Nora go finga na internet, so ko moni basali baye ko sale mission, akwa mi kole ko manga so basali mission, fo boya go finga batu. Mais, tant de rebelles mingi, tika go finga biso, parce que biso to sa Moussa la. Je vais vous livrer un livre. Alors, parmi les livres qu'il a déjà écrit, il vient d'écrire un livre qui s'intitule Congo, un cadeau des étrangers. Hier, nous avons parlé de ce livre. Alors, tout aussi, ça n'a pas lieu parce que c'est un livre qui va paraître bientôt. Beaucoup de gens ont dit qui est derrière vous, ou soit qui sponsorise ce livre. Et puis, qu'est-ce que vous visez au juste? Vous visez les Congolais ou vous visez les étrangers? Parce que, comme vous êtes l'auteur, qui est derrière vous? Qui vous a poussé à écrire ces livres? Et puis, qu'est-ce que les Congolais peuvent gagner de ces livres? Merci beaucoup, Monsieur Marcel, de l'intérêt d'abord que vous portez à mon ouvrage qui va bientôt paraître, parce que je suis déjà dans l'écriture finale, en train de revoir certaines histoires et puis ajouter quelques pages par rapport à l'actualité, par rapport aux circonstances actuelles du pays. Dire qu'il y a quelqu'un qui me sponsorise, je dirais non, il n'y a personne qui m'a sponsorisé jusque-là pour écrire les livres, mais l'inspiration est personnelle. L'inspiration de ces livres a commencé depuis 2015. Je me suis dit, mais j'écrivais en tant que journaliste d'abord au Congo, j'écrivais des articles et ainsi de suite. Je faisais mes analyses personnelles et que j'ai couché sur papier, mais je me suis dit, mais il était aussi temps, pourquoi pas ne pas écrire un ouvrage pour le Congo, comme disait Lumumba, l'histoire du Congo s'écrira par les Congolais eux-mêmes et sera lue
dans tout le monde entier. Je me suis dit, il était pour moi une occasion, l'occasion faisant le larron, de pouvoir commencer à griffonner quelque chose, de sorte qu'au bout de 2-3 ans, je pourrais arriver à un volume assez accru de papiers qui pourront constituer en fait l'ouvrage de... Oui, maintenant, qu'est-ce que les Congolais, comment est-ce que les Congolais vont se retrouver dans ces livres? Bon, personnellement, les Congolais pourront se retrouver d'abord parce qu'il s'agit de tous les vécus du peuple congolais depuis l'époque d'avant Léopold II. J'ai brossé pour commencer d'abord cette époque, parce que cette époque a fait vivre aux Congolais des atrocités terribles pendant le régime de Léopold II. Et puis, à la période de la décolonisation de l'Afrique, j'ai aussi ramassé quelques pages de cette période pour fustiger ce que le colonisateur a manqué à faire, donc son devoir d'État par rapport aux colonisés. Et après l'indépendance, j'ai alors fustigé tout le comportement des politiciens, pas seulement des politiciens, du citoyen congolais en général, jusqu'à aujourd'hui, où le pays ne marche que clopin, on est en train de tituber pour arriver ne fût-ce qu'à un développement. Donc il s'agit là d'un aperçu général de la vie politique, économique, sociale du pays, où on voit la politique en confrontation, les politiques plutôt en confrontation, l'économie qui est désarticulée, les sociales qui, comment je peux dire, un peu avariées, instables, l'administration corrompue, mal gérée, mal structurée, et les culturels, au niveau d'ailleurs culturel, un peu aliénés. Nous sommes un peu quelque peu aliénés par la mentalité d'autres cultures. C'est pourquoi j'ai même donné des pistes de solutions qui feront en sorte que les Congolais qui pourra lire ces livres, tous les grands penseurs du Congo, les politiques qui pourront lire ces livres, pourront se retrouver pour dire voilà les voies à suivre. Hier, je vous ai donné par exemple une situation où, si aujourd'hui nous voulons que les choses changent, qu'il y ait une certaine révolution par exemple, il faudrait que le peuple lui-même puisse se prendre en charge. Vous m'avez demandé comment le peuple peut se prendre en charge. Je vous ai donné un exemple. Au marché central, si les taxes qui sont payées à l'État, les peuples trouvent que l'État ne gère pas, ne gère pas le pays, disons le marché par rapport au à ces taxes-là, il n'arrive pas à bien gérer plutôt l'État par rapport à ces taxes. Le maman et les papas et les jeunes du marché peuvent dire non, on ne payera plus de taxes. Et personne, je pense que personne ne pourra arrêter tous les millions de forces comme aujourd'hui. Le pays est envahi. Oui, mais là, c'est pour quand l'apparition? Et puis, donnez votre numéro rapidement parce que nous sommes déjà... L'apparition pourra se faire d'ici la fin de cette année. Et d'ailleurs, dans ce cadre, ça va coïncider avec l'appel d'offres que je suis en train de faire dans les sociétés multinationales qui sont ici aux États-Unis et surtout et au Canada, parce que j'ai quelques entrées là-bas. Il y a des gens qui ont promis de me soutenir dans cette démarche et qui pourraient peut-être participer aussi au marketing de mon ouvrage. Voilà.
un mot pour conclure cette émission d'aujourd'hui. Je crois que nous avons fini. Bon, ce que je peux demander aux Congolais, c'est d'abord l'amour de la patrie. Nous, Congolais, avons perdu cet amour de la patrie. Cet amour entre nous, nous devons regagner cette philosophie du patriotisme. Il faudrait que le Congolais puisse arriver à dire non au passé, oui au présent. Dire non au passé, ça signifie quoi? C'est désolidariser avec les vieilles habitudes, les antivaleurs, toutes les antivaleurs qui ont fait que le Congo reste à l'état actuel, dans la boue. Nous devons nous en désolidariser. Et on ne gère pas, on ne peut pas gérer le pays sans projet de société. S'il y a un projet de société que le gouvernement en place, que le régime en place met sur table, nous devons être à mesure, nous Congolais, parce que ce projet de société ne concerne que le peuple congolais, nous devons être à mesure de pouvoir critiquer, d'apporter notre pierre angulaire, critiquer de façon positive pour dire voilà, on peut faire ça. Et si on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables dans ce projet de société, on peut le rejeter. De deux, le fanatisme doit être exclu dans notre mentalité. Nous sommes trop fanatiques. Le Congolais est un passionné du fanatisme. Le fanatisme tue le pays. Le fanatisme tue l'avancée du développement. Voilà, Monsieur Jacques-Claude, merci beaucoup. Jean-François est tenté de me faire signe que nous sommes vraiment à la fin. Je vous remercie parce que vous êtes disposé pour répondre à nos questions. On se fixe, on se donne rendez-vous prochainement pour un autre Tati. Merci beaucoup et que donnez votre numéro rapidement. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Oui. Mon numéro de téléphone est le 309-536-3155. Voilà, 309-536-3155. Appelez et réservez déjà vos commandes pour les livres de M. Jean-Claude Kitete Congo, un cadeau des étrangers. Merci, chers amis. Je remercie toute l'équipe de Tout Savoir. Je remercie le manager adjoint Trésor Kanza. Il nous suit même, Mobalia. Je salue Jean-François Mongoulou, bientôt manager aussi, parce que tu as autant la nomination à Jean-François, mais il est d'abord superviseur, parce qu'on est manager. Je salue Trésor Mbouy, Laetitia Abapianacho. Je salue aussi Joséphine Apaza. Je salue manager adjointe aussi. Il y a peu de photos nommées. Et puis, Nabino Tou, merci beaucoup. Au revoir, chers amis là-bas.